Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Startup Company. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les managers parce que vous voyez ici, c'est un bazar. On fout le bordel, tout simplement, c'est le bazar total. On va laisser tout ça se faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, lui devrait créer beaucoup plus rapidement ça, et lui ici il est en train de s'enfermer un peu dans sa boucle. Voyez, la question c'est est-ce qu'on essaie de faire genre, ouais, on va faire ça. On va donc, son objectif c'est de faire ça, d'accord, et de faire ça. Pour faire ça, il a besoin de deux composants comme ça, 1 2. Et deux éléments UI. Pour faire deux éléments UI, il a besoin de un comme ça, un comme ça. Donc, tac, 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 deux comme ça, et puis terminer par un comme ça. Et on peut encore ajouter un. On va laisser comme ça. Et lui, il a besoin. On doit aussi faire ça. Donc, ce qu'on pourrait très bien dire, c'est de dire tu vas encore faire deux comme ça et puis comme ça. Comme ça, on est sûr de toujours en avoir plusieurs. Alors c'est un peu long, mais ce sera, je crois, utile. Parfait. Alors niveau recherche, là, du coup, on carbure à 3000%. Ce qui pourrait être intéressant, du coup, pour acheter des nouveaux types de racks et un nouveau pack de serveurs. Voilà, 400, boum. Après, on a des énormes trucs. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on est déjà à 85%. On voit que ça galère un peu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le débit a été réduit à cause de la haute température. Ok. Ok. D'accord. On va du coup réduire la température déjà pour commencer. Hop. On va mettre ça maintenant. Où est-ce qu'on voyait la température ici? 32 degrés. On va encore réduire. Ça va, je crois, faire du bien. Alors ça, je peux le détacher. Ça ne sert quand même à rien. Ok, on est à 50%. On va laisser en fait comme ça. Je crois que le problème venait juste de la surchauffe. Donc, pas plus mal. Ici, ça continue à nous rapporter de l'argent. Est-ce qu'on a des offres plus intéressantes? On a celle-ci qui pourrait être peut-être intéressante. Mais maintenant, on arrive toujours à minimum 4800. Donc, on peut mettre un filtre jusqu'à, on va dire, 5000, mais surtout commencer à 4600 et terminer à 5000. Voilà. D'être un filtre assez court, mais important. Ok, la pub vidéo. Je sais que les gens n'aiment pas, mais je sais que ça rapporte. Système d'assistance, pub vidéo. Ah ouais, c'est 2000, donc c'est quand même dans longtemps. Et en même temps, peut-être pas vraiment avec notre équipe de fous. On pourrait avoir des abonnements. Forcer l'utilisateur à payer pour des fonctionnalités sélectionnées. Premium. Ok. L'upload d'image, on pourrait l'ajouter et tout créer. En fait, j'aimerais bien voir si on ne peut pas faire des équipes spéciales. Ce serait intéressant de voir si ce serait intéressant de faire des équipes, genre pour chaque fonctionnalité. Genre pour la page accueil, on a besoin de ça, ça, ça et ça. Eh ben, c'est une équipe ensemble. Ce serait intéressant, hein? Vous voulez qu'on teste? On pourrait tester, hein. On gagne pas mal d'argent. 18 000, on peut un peu abuser sur ça. Ici, du coup, on a une proposition. On peut garder celle-là. On peut la garder. Ok.
Bon, ce sera intéressant et en même temps, ce sera pas intéressant. Chaise longue et poste de train intermédiaire. Ok, ils ont des demandes aussi. Ça, je peux mettre facilement. Chaise longue, bah, si tu veux, hein. Est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas encore. On devra débloquer ça dans nos recherches. Je suppose que c'est ici. Fauteuil noir, voilà, chaise longue. 1500 quand même, ah ouais. Poste de travail pour programmeur, poste de travail pour directeur. Ah ouais, il y a carrément... carrément ces trucs-là, quoi. Ok. Les nouvelles offres, ça se passe comment? Non, c'est nul. Alors, on n'augmente pas tellement notre audience, hein. Vous voyez, on est quand même 4800 et ça a un peu diminué. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Niveau marketing, on fait de la pub, mais c'est... Ouais. Satisfaction globale. On est à 73%, ça va. Insatisfaction de l'assistance, 4%. Ouah, c'est bon, hein. Ça, on peut peut-être un peu pousser. Alors, on ne fait plus du tout de module front-end, en fait. Est-ce que quelqu'un fait un module d'interface? Non. On ne fait pas de module d'interface, mais enfin. Ok, quand on prend un manager, ça se passe comment? Genre, hop, recruteur. Manager, on va dire intermédiaire. Les managers dirigent les différents types d'employés, ils leur donnent un bonus de vitesse. Commencer le débauchage. Alors on va en prendre un. Et on va à nouveau tester. Hein. On va prendre du coup un bureau. On va mettre... Si. Ça met du temps. La croissance utilisateur est vraiment pas bonne. Plus 5, c'est vraiment rien, je trouve. La satisfaction de l'assistance, j'aimerais bien la pousser un peu plus. Ok, écoutez, on va prendre elle. Je sais pas ce qu'il demande comme salaire, ce genre de... 12 000, ah ouais. Écoute, 10 000, tu serais contente, non? Ok, 12 000. 600. Ok, bon. Ça réduit encore notre argent, mais... Alors, est-ce que je peux prendre genre ça? Ouais, ok, on peut prendre tout ça. Je peux en prendre combien? Je peux en prendre 5. Ok. Donc, je vais voir... Alors, peut-être que pour ça, ça va être un peu limite. Peut-être qu'il nous faudrait un expert, mais on pourrait peut-être essayer de... Alors, écoutez, on va essayer de faire ça. Je vais faire une photo, parce que clairement, on va avoir besoin de savoir ce qu'on a besoin. Principalement, en fait, c'est surtout ça, ça et ça. On a besoin du coup d'un développeur senior. De deux développeurs seniors, entre guillemets, et de deux graphistes, je dirais. Alors, on n'a peut-être pas assez de graphistes, hein. Donc, on pourrait peut-être lui dire ici de chercher un graphiste intermédiaire tant qu'on y est. Ok. Voilà. Maintenant, je vais prendre. Alors, je vais prendre Philippe Bray. Ou Philippe Gray. Je vais prendre. Georges Gilles. Voilà. Et je vais prendre Aaron. Voilà. Ok, et maintenant, plan de production. On peut gérer les plans de production. On va créer un nouveau plan. Et
Et on va dire, alors combien est-ce qu'on en veut? Continue de produire après que tous les objectifs aient été atteints, distribués équitablement. Sauter des modules si les composants requis ne sont pas disponibles. Oui. En fait, je me demande si j'ajoute par exemple 5, est-ce que ça va aller ou pas? Alors, je mettrais bien 10. 10 modules front-end. Pour ça, il me faut des modules d'interface. Pour les modules d'interface, il faut des éléments UI, blablabla. Pour les éléments UI, il nous en faut 10 et 10. Et là, il en faudrait 10. Je sais pas, hein, je teste un peu le fonctionnement de notre système. Ok. Ok. Si on tente ça. De production 2. Ici, il m'en a trouvé un. Ouais. Salaire mensuel, je sais pas, 5000. 8600, allez. On va acheter un nouveau bureau. Voilà, et on va ajouter ici. Et toi, tu vas faire. On va voir. Lui, toi, tu faisais quoi? Lui faisait juste un au final comme ça. Mais lui, il va faire ça du coup. Donc, pour faire ça, il va faire 1, 2, ça. 1, 2, ça. 2 et ça. Il manque ça. Pour faire le module d'interface, que deux éléments comme ça et un comme ça. Waouh, il a besoin de plein de trucs, lui. Salle de sport, plan large. Ils demandent de plus en plus, j'ai l'impression, mes employés. J'ai l'impression que je suis en train de me faire rouler. Fontaine à eau. Bonus par employé 61%. C'est mon anniversaire. Wouhou. Bonus par employé, donc ça c'est bien. Par contre, lui ici, ça déconne toujours autant, quoi. Alors c'est très bizarre parce que du coup on a assez pour tout, non? Ah attendez. Est-ce que on fait bien... Ouais non, on fait ça aussi. Pourquoi est-ce qu'il les fait pas? C'est bizarre, hein. Ah,
J'en fais plus qu'assez, quoi. Pourquoi donc? On dirait qu'il y a un bug. J'ai l'impression que il sert à rien mon petit personnage ici. Ah, pour faire un module front-end. Il me faut un module comme ça. Ok. Mais ça, en soi, je sais pas choisir l'ordre quand même. Genre j'ai vraiment envie de reprendre, hein, mais... On avait qui encore? On avait lui. Ah oui, on avait encore ces deux-là en fait. On avait Jorge. Donc on avait Philippe. On avait Georges. Et on avait Aaron. Et Georges. Production plan 2. Alors, module interface, ok. Lui, il est en train de faire ses trucs. Sais pas si on est très fonctionnel, hein. Bon, en attendant, ici, on pourrait gagner plus d'argent ou pas? À part le premier, pas vraiment. J'aimerais juste voir si... Parce qu'il faut quand même qu'on continue à améliorer. Ici, on peut améliorer certaines choses. Ok. C'est déjà ça. Ici, je peux améliorer les choses. Parfait. Est-ce qu'ici, je peux améliorer certaines choses? Je peux. Génial. On est à combien de pourcents ici? On est à... Ouais, on est bien. Par contre, le serveur, ça va plus. Le serveur, il faut qu'on modifie ça. On va ajouter un nouveau type de serveur, du coup, un grand rack. Et du coup, on va installer, ben, on va essayer de faire un mix acceptable. $650 de débit, 200. Ah ouais, non. Quand même essayer d'ajouter des équipements plus intéressants. On a un refroidissement de rack. Écoutez, je vais faire ça, on va voir. Alors ici, configurer. Ah merde, on n'a pas encore tout ça. Administrateur système intermédiaire, ça paraît logique en plus. Administrateur système intermédiaire. Ok.
Du coup, je suppose que nous, on n'a pas un intermédiaire ici. Notre programmeur, là. Ah non. On va le former. Ici, est-ce qu'on a des contrats intéressants? Pas plus que ça. Bon, on arrive quand même à monter, heureusement, hein, 5300, 5 300 000 plutôt. 6,45 pour 4,300, ouais, on pourra peut-être négocier. En fait, je suis en train de faire tout ça et je me dis, est-ce que c'est vraiment en train d'être bien fait ou est-ce que... Est-ce que c'est assez intelligent en fait le système? Parce que je vois ici que ça fait quand même les modules front-end, donc c'est cool. Développeur intermédiaire, il a plus de... Truc SMTP. Composant SMTP, c'est par un développeur que ça doit être fait. Et on n'a pas de... On n'a pas de composant SMTP de fait. Bon, on va le faire. Hein. Parce que si, en vrai, ça fonctionne, là, j'ai l'impression que c'est maintenant c'est fonctionnel. C'est cool. Ouais. On en fait pas mal du coup maintenant. Ok, donc ça c'est une très bonne chose. Ça veut dire qu'on va devoir, on va pouvoir essayer de faire des équipes au fur et à mesure. Ce sera bien. Ce sera très très bien. Ici, ah ben il est formé, c'est parfait. On va vite fait. Ah ben oui, mais du coup on peut même pas faire ça. Il a besoin de processus et l'écran. Donc on va lui ajouter ça, hein. Processus et cron. Et pourquoi pas ça tant qu'on y est? Ok. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop chiant. Vous le savez toujours, hein, les jeux, je découvre. Je peux pas me prendre la tête non plus. Donc voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!